poder transmitir su decir Leur por el teléfono. silence, leurs interventions sans leur présence dans le même espace. Igualmente sus silencios, sus intervenciones sin su presencia en el mismo espacio. Alors, à l'expression de ce malaise, c'était l'expression d'un malaise au fond, on a Entonces, ajouté des arguments pour justifier le malaise. frente a esta malestar, se presentaron argumentos para justificarlo. Et dire, le justifier en disant que cette soustraction de la présence des corps pouvait mettre en question l'analyse elle-même. Diciendo que esta sustracción de la emergencia de los cuerpos podría poner en cuestión el mismo análisis. Heureusement, les semaines passant, Afortunadamente, las semanas han pasado. Et on a entendu de plus en plus de témoignages d'analystes Y cada vez escuchamos más voces de analistas qui constataient que les analyses se poursuivaient sans anicroche par téléphone. Que constatan que los análisis pueden continuarse sin obstáculos por teléfono. Alors, je dois dire que personnellement, dans un premier temps, j'ai été très alarmée. Entonces, debo decir que yo personalmente, en un primer momento, estaba muy alarmada. Alarmée que l'on s'appuie pour évaluer ce bouger dans le setting. Alarmada por evaluar este cambio en el setting. Que l'on s'appuie sur l'éprouvé des uns et des autres. Donde se apoyan por los sentidos o sobre los sentidos por los unos y por los otros. L'éprouvé, le sentido, c'est équivoque. Sentido, sí, sí, oui. Non, non, non. Oui, c'est. Non, mais ça va sentido, oui. Ce que l'on éprouve. Oui, c'est le sentiment qu'on éprouve, voilà. Ouais. Dicho de otra manera, sobre el, dit d'autre façon, sur le registre des affects. Dicho de otra manera, sobre el registro de los afectos. J'ai été alarmée de cela parce que, selon moi, c'est radicalement contraire à l'orientation de la psychanalyse depuis Freud. Yo estaba alarmada puesto que esto es radicalmente contrario a la orientación del psicoanálisis dado por Freud. Et qui a été largement relayé par Lacan. Y que fue retomado ampliamente por Lacan. Imaginez ce qui se serait passé si Freud s'était fié aux affects de ses premières hystériques. Imagínense lo que hubiera pasado si Freud se hubiera confiado en los afectos de sus primeras histéricas. Et au sien propre d'affect devant leur réserve. Y en los suyos frente a su reserva. Eh bien, la psychanalyse n'existerait pas. Entonces el psicoanálisis no existiría. Parce que la règle d'association libre, pues, sans laquelle il n'y a pas de cure analytique, puesto que es la regla de la asociación libre, sin la cual no hay cura analítica. Cette règle, elle est des plus incommodes. Esta regla es muy incómoda. Malaisée et frustrante. Difícil y frustrante. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les psychothérapies qui se multiplient aujourd'hui. Y es por esto que las psicoterapias que se multiplican hoy emprunte à la psychanalyse l'idée du traitement par la parole, mais pas l'association libre. Han retomado del psicoanálisis la idea de la cura por la palabra, pero no la asociación libre. Quant à l'interprétation, qui n'est pas une simple écoute empathique, y en cuanto a la interpretación, que no es una simple escucha comprensiva, si on la mesurait aux affects qui y sont liés, on la supprimerait immédiatement.
si la midiéramos por los afectos que están ligados a ella, se suprimiría inmediatamente. Et c'est ce que font les psychothérapies, d'ailleurs. Y es esto, por lo demás, lo que hacen las psicoterapias. Alors, les affects sont à tenir en compte dans une analyse, notamment l'angoisse. Entonces, en un análisis, los afectos deben ser tenidos en cuenta, especialmente la angustia. Mais ce ne sont pas des boussoles vers l'inconscient et ses effets. Pero estos no son brújulas hacia el inconsciente y sus efectos. La boussole, c'était pour Freud le déchiffrage. La brújula para Freud era el desciframiento. Et pour Lacan, le langage que suppose le déchiffrage. Y para Lacan, el lenguaje y los significantes que suponen el desciframiento. Regardez comment Freud, pour l'homme au rat, enregistre ses épouvantes, mais miren ne cómo... filme pas. Oh, excusez-moi. Regardez comment Freud, pour l'homme au rat, enregistre ses épouvantes, mais ne s'en émeut pas. Miren cómo Freud, en el hombre de las ratas, registra o percibe sus terrores, pero no se emociona. Je croyais que tout cela était des évidences, d'où mon alarme. Yo creía que todo esto era una evidencia, algo ya adquirido, y de ahí mi alarma. Bien sûr, cette alarme a été relativisée assez vite dans notre débat et grâce à notre débat. Por eso, yo la relativizo, pues, en nuestro debate. Gracias a nuestro debate. Le moment du premier désarroi qu'a produit le changement. El momento del primer desconcierto que produjo este cambio. A vite été suivi de tentatives pour questionner ce qui manquait. Quand on était rápidamente, parlé. Intentos que buscaban cuestionar aquello que faltaba. Quand manquait donc la coprésence des deux corps dans le même espace. Faltaba entonces la copresencia de dos cuerpos en el mismo espacio. Il est sûr que l'analyse est un lien à deux qui implique deux partenaires. Es seguro que l'analyse es una relación a dos que implica dos partenaires. Et ça suppose les deux corps de ces deux partenaires. Y esto supone los dos cuerpos de estos dos partenaires. Où qu'ils soient localisés. Importando dónde ellos estén localizados. Alors, je me suis déjà beaucoup exprimée sur la fonction du corps dans le lien analytique. Muchas veces me he pronunciado sobre la función de los cuerpos en el lazo analítico. Notamment cette année à la fin de mon cours. Particularmente este año al final de mi curso. Aujourd'hui, je vais prendre la question par un autre biais, disons. Digamos que hoy lo voy a tomar desde por otra vía. Je partirai d'une affirmation de Lacan qui en accroît la complexité. Yo partiré de una afirmación de Lacan que incrementa su complejidad. Au risque que ce soit mal compris. Con el riesgo de que esto sea mal comprendido. Lo que Lacan dice. Lo que Lacan decía. Dans son texte Kant avec Sade. En su texto Kant con Sade. Où Lacan donne son idée du fantasme sadien. En el cual Lacan da su idea sobre el fantasma sadiano. Il introduit déjà la référence à la jouissance. Él introduce allí la referencia al gozo. Et même plus à la volonté de jouissance. Y más aún a la voluntad de gozo. Et dans son commentaire du deuxième schéma de Lacan. Y en su comentario, el segundo esquema de Lacan. Il reconnaît cette volonté de jouissance. Él reconoce
esta voluntad de goce dans la contrainte exercée implacablement par la présidente de Montreuil dans la vie de Sade. En la constricción ejercida implacablemente por la presidente de Montreuil en la vida de Sade. Bien sûr, pour suivre ce que je dis, il faut connaître un peu le cas de Sade et le texte de Lacan. Para seguir eso que yo digo, es necesario conocer la obra de Sade y el texto de Lacan. Alors, cette dame, la présidente de Montreuil, était la marquise de Sade, sa belle-mère. Esta mujer, la presidente de Montreuil, marquesa de Sade, elle a beaucoup œuvré contre lui et pour qu'il reste en prison particulièrement. Ella hizo muchas cosas contra él, particularmente para que él estuviera fuera de la prisión. Donc, parlant de cette contrainte et de la fonction qu'elle a dans le fantasme du sujet. Entonces, hablando de esta restricción y de la función que ella toma según el fantasma del sujeto, Lacan écrit ceci. C'est une ligne. Lacan escribe esto, es una línea. Le sujet dont il se voit que sa division n'exige pas d'être réuni en un seul corps. El sujeto respecto del cual se ve que su división no exige ser reunida en un solo cuerpo. Je la relis. Hein. Le sujet dont on voit que sa division n'exige pas d'être réuni en un seul corps. Voy a releerla. El sujeto respecto del cual se ve que su división no exige ser reunida en un solo cuerpo. Cette phrase indique clairement deux choses. Esta frase indica claramente dos cosas. Que dans un lien, il y a autant de corps que de partenaires, comme je le disais. Que en un lazo hay tantos cuerpos como partenarios. Mais que la structure du sujet se distingue de la présence de ces corps. Pero que la estructura del sujeto se diferencia de la presencia de estos cuerpos. Or, c'est le sujet que nous analysons. Ahora bien, es el sujeto el que nosotros analizamos. Le sujet représenté par le signifiant et divisé par l'objet A. El sujeto representado por el significante está dividido por el objeto A. Regardons le deuxième schéma de Lacan. Miren el segundo esquema de Lacan. Je crois que Ricardo. Ricardo peut nous le montrer. Voilà. Alors, vous voyez, V, c'est la volonté de jouissance. S, en bas à gauche, c'est le sujet divisé. Et bon. La voluntad de gauche arriba, el sujeto dividido. Dans ce schéma renvoie à deux corps. Este esquema reenvía a dos cuerpos. Le corps de la présidente et celui de Sade. El cuerpo de la presidenta y el de Sade. Mais il y a un seul sujet divisé. Pero hay un solo sujeto dividido. Le A, en haut à gauche, qui divise. Oui. Continue. Le A, en haut à gauche, qui divise, est imposé par le tourmenteur. El A, que está arriba a la izquierda, está impuesto por el atormentador. Qui est un des deux corps. Et le tourmenté, c'est le sujet divisé par A. Y el atormentado es el sujeto dividido por A. Et il se distingue du corps du sujet naturel. Y él se diferencia del cuerpo del sujeto natural. Que Lacan écrit S en bas à droite. Que Lacan escribe S en la parte de abajo a la derecha. Le tourmenté est un sujet unique. El atormentado es el sujeto único.
divisé par la jouissance que cause l'objet. Dividido por el goce que causa el objeto. Donc, deux corps et un seul sujet. Entonces, dos cuerpos y un solo sujeto. Je crois qu'on peut enlever le schéma peut-être maintenant. Les deux corps dont on parle sont ceux qui se placent dans l'espace intuitif. Los dos cuerpos de los cuales se habla son aquellos que se ubican en el espacio intuitivo. Celui de la perception commune. El de la percepción común. Qui relève de la topique géométrique des trois dimensions. Esta está relacionada con la tópica geométrica de las tres dimensiones. Ce sont des corps en 3D, comme je dis. Son los cuerpos en 3D, como yo digo. Qui prennent de l'espace, de la place, et auxquels on peut se heurter. Que ocupan un espacio, que toman un lugar, y con los cuales uno se puede chocar. Ils sont aussi d'ailleurs dans le temps, périssables, eux qui vieillissent. Por lo demás, ellos están también en el tiempo, perecederos, envejecen. Mais peut-on tenir pour rien dans le champ lacanien? Se puede creer sin muchos argumentos en el campo lacaniano. Le fait que Lacan ait introduit comme thèse fondamentale. El hecho de que Lacan haya introducido como tesis fundamental. Que l'expérience analytique des parlants structurée par le langage. Que la experiencia analítica de los hablantes estructurados por el lenguaje. Est impensable avec seulement. Ce deux des deux corps de l'intuition. Es impensable con solamente estos dos cuerpos de la intuición. Il a répété au contraire qu'un schéma à quatre termes était nécessaire. Él ha repetido al contrario que un esquema con cuatro términos es necesario. Il en a produit plusieurs d'ailleurs avant ses quadripodes des discours. Él ha producido varios antes de los cuatripartitos de los discursos. Et ces quadripodes ne répondent pas à une topique, mais à une topologie qui s'en distingue. Pero estos cuatripartitos no responden a una tópica, sino a una topología, lo cual es diferente. Cette référence à la topologie a été introduite très tôt dans l'enseignement de Lacan et jamais suspendue. Ese interés por la topología fue tempranamente introducido por Lacan y nunca desapareció. Je crois en outre que cette hétérogénéité entre la topologie du sujet divisé et la topique des corps spatialisés. Además, creo que esta heterogeneidad entre la topología del sujeto dividido y la tópica del cuerpo espacial. C'est ce qui l'a amené. A affirmé avec certitude à la fin. Es lo que lo llevó a afirmar con certeza al final. Que le sujet a un corps, verbe avoir, et qu'il ne l'est pas. Que el sujeto tiene un cuerpo, verbo tener, y que él no lo es. Ce qui est loin d'être évident dans le sens commun, comme on dit. Lo que está lejos de ser evidente en el sentido común, para el sentido común. Il a comme on a des objets, généralement fort divers. Él lo tiene como objetos generalmente muy diversos. Mais vous pouvez remarquer que ce corps qu'il a, c'est un corps qui a un âge. Pero ustedes pueden ver que este cuerpo que él tiene es un cuerpo que tiene una edad. Ce qui n'est pas le cas non plus du sujet. Lo que no es el caso, lo que no ocurre con el sujeto. Les débats sur ce point, l'âge ou pas du sujet. Los debates sobre este punto, sobre la edad del sujeto, ont émergé pour nous autour de la psychanalyse avec les enfants. Han emergido para nosotros con el psicoanálisis con niños. Et ce sont notamment les Lefort
qui ont beaucoup fait pour indiquer que quel que soit l'âge du corps. Y son particular, y particularmente son los Lefort los cuales insistieron en indicar que no importando cuál sea la edad del cuerpo. On n'analyse pas des jeunes, des vieux ou des trentenaires, mais des sujets. No se analizan jóvenes, viejos o personas de 30 años, sino sujetos. Ces développements me semblent bien oubliés aujourd'hui. Este desarrollo parece bien olvidado hoy. Puisqu'il semble que sur ce point, même chez nous, on reprend le discours du capitalisme sur les classes d'âge. Puesto que parece que sobre este punto, incluso entre nosotros, se retoma el discurso del capitalismo sobre el tipo de edades. Là, j'ajoute quelques lignes, Luis Fernando. Ouais. Je me suis d'ailleurs appuyé sur une phrase de Kant avec Sade Yo pour. me he apoyado sobre una frase de Kant con Sade. Mais j'aurais pu faire la même démonstration à Pero yo propos hubiera podido hacer la misma demostración pour le discours du maître et le discours universitaire. con el discurso. Hétérogénéité entre le nombre de sujets et le nombre de corps et le sujet. Con el discurso universitario, ¿tú me repites el discurso universitario? Es Hein? que tú me repites, yo aurais pu hacer la misma cosa. Yo La hubiera même podido hacer la misma cosa con el discurso universitario. avec le discours du maître et le discours universitaire. Discurso universitario, el discurso del amo. Un seul sujet divisé, plusieurs corps. Un solo sujeto dividido, varios cuerpos. Alors, quand même, après toutes ces constructions de Lacan, que je rappelle Entonces, rapidement, hein, después de todas estas construcciones de Lacan, va-t-on revenir à la two-body psychology qui l'a précédée et qui l'a critiquée? vamos a volver o a retomar la two-body psychology, psicología para dos cuerpos, traduciría yo, que la ha criticado. C'est une question, hein, Es una pregunta. quand on entend certaines choses. Cuando se escuchan ciertas cosas. Et puisque j'ai cité Kant avec Sade, je Y vais como yo paraphraser Sade. he citado Kant con Sade, Je vais paraphraser Sade. voy a parafrasear a Sade. Et là où il dit Français, encore un effort pour être républicain. Y allí donde él dice, franceses, un esfuerzo aún para ser republicano. Je pourrais dire, psychanalyste, encore un effort pour être du champ lacanien. Yo podría decir, psicoanalistas, un esfuerzo aún para ser del campo lacaniano. Alors, dans une psychanalyse, l'analyste fait fonction d'objet A. Entonces, en un análisis, el analista cumple la función de objeto A. C'est la thèse que nous répétons tous avec Lacan. Es la tesis que todos nosotros repetimos con Lacan. Ce n'est pas pour dire, bien sûr, que l'analyste est un tourmenteur comme la présidente de Montreuil dans la vie de Sade. Por supuesto, no para decir que el analista es un atormentador como la presidente de Montreuil en la vida de Sade. Le désir de l'analyste n'est pas volonté. Tiens, j'ai un problème avec mes feuilles. Oui, c'est ça. Hein? N'est pas la volonté de jouissance. Oui, mais ma page 4 n'est pas la bonne. El deseo del Bon, analista no es la voluntad de goce. hein? N'est pas la volonté de jouissance. Est-ce que ton texte continue par « Il s'agit de savoir dans la conjoncture d'aujourd'hui Ça, c'est sûr. » Ah non, alors il me manque une page dans ce que j'ai tiré. Ah zut alors. Bon, je la retrouve tout de suite sur mon ordinateur, hein. Vous me donnez une seconde?
Le désir de l'analyste n'est pas la volonté de jouissance, c'est sûr. Et ce n'est pas non plus pour dire que l'analyste est un gadget comme le plus de jouir du capitalisme. Tampoco para decir que el analista es un gadget como el más de goce del capitalismo. C'est Gabriel Lombardi qui m'a suggéré cette éventualité. Dans notre Gabriel Lombardi qui me suggerió esta eventualidad. Il s'agit donc de savoir si dans les conjonctures d'aujourd'hui, se trata entonces de saber si en la coyuntura de hoy, si c'est par son corps en 3D que l'analyste fonctionne comme objet A. Si es por su cuerpo en 3D que el analista funciona como objeto A. Lui qui se fait de l'objet A, dit Lacan. Él que se hace l'objet de l'analysant. Él que se hace el objeto A, como dice Lacan. De l'objet analysant. De l'objeto analizante. La question porte sur la nature même du lien analytique. La cuestión apunta a la naturaleza misma del lazo analítico. Mais avant cela, la même question a porté sur les liens de l'amour. Y antes de esto, ella ha estado dirigida a los lazos del amor. C'est la question qui s'est brassée dans la psychanalyse depuis le début. Es la cuestión que se ha planteado en el psicoanálisis desde el comienzo. Sous le terme de relation d'objet. Bajo el término de relación de objeto. La relación d'objet, c'est pour désigner une libido qui sort du narcissisme et investit des partenaires. La relación de objeto sirve para designar una libido que saliendo del narcisismo catectiza los partenaires. Et différemment selon les structures cliniques. Y esto de una manera diferente según las estructuras clínicas. La libido suppose certes un organisme vivant, mais ce n'est pas un besoin de cet organisme. Sin duda, la libido supone un organismo viviente, por esto no es una necesidad de este organismo. La libido, c'est ce qui résulte de l'effet négativant du langage sur l'organisme. La libido es lo que resulta del efecto negativizante del lenguaje sobre el organismo. Telle est l'hypothèse de Lacan qu'il formule à la fin de Encore. Esta es la hipótesis que Lacan formula al final de Aún. De cet effet négativant émerge et le sujet barré et les pulsions partielles. De este efecto de negativización emergen el sujeto dividido y las pulsiones parciales. Lesquelles font la réalité sexuelle de l'inconscient. Las cuales producen la realidad sexual del inconsciente. Or, les objets des pulsions ne sont pas les corps. Ahora bien, los objetos de las pulsiones no son los cuerpos. Ce sont des morceaux. Son pedazos qui, oral, anal, etc., en sont extraits des corps. Sino pedazos que, oral, anal, etc., son extraídos de él, del cuerpo. Extraits sous l'effet de langage et que le fantasme enveloppe avec ses scénarios. Extraídos bajo el efecto del lenguaje y los cuales el fantasma envuelve en sus escenarios, con sus escenarios. Le rapport au partenaire de la libido, du désir donc. La relación al partenaire de la libido, al deseo entonces. Est par conséquent commandé par l'objet du fantasme. Es entonces ordenada por el objeto del fantasma. D'ailleurs, il y a une homologie, notez-le. Por lo demás, hay una homología, anótenlo. Entre d'un côté, la courbe de la pulsion qui fait le tour de l'objet. Entre, de un lado, la curva de la pulsión que rodea el objeto. Et de l'autre côté,
le poinçon du fantasme. Y del otro lado, el rombo o la losange del fantasma. Dont une des lignes revient vers le sujet. En la cual una de sus líneas retorna al sujeto. Lacan a construit toute sa théorie de l'amour sexué sur cette structure de division du sujet. Lacan a construido toda su teoría del amor sexuado sobre esta estructura de la división del sujeto. Structure dans laquelle le partenaire vaut comme objet A. Estructura en la cual el partenaire vale como objeto A. Et ceci dans l'amour en général comme dans l'analyse. Y esto tanto en el amor en general como en el análisis. L'aura-t-il assez répété cette thèse, Lacan? Lacan habrá repetido esta tesis suficientemente? De là notre question. Comment l'amour de transfert, qui est bien de l'amour, de ahí nuestra pregunta, ¿cómo el amor de transferencia, que es por supuesto amor, comment peut-il mener à une analyse plutôt qu'à une aventure banale? ¿Cómo puede él llevar a un análisis en vez de llevar a una aventura banal? Une affaire, comme on dit. Una affaire, como se dice. Ce chemin vers l'analyse commence, je vous le fais remarquer, par une coupure, une exclusion corps à corps. Yo les he señalado que el camino hacia el análisis comienza por un corte, una exclusión del cuerpo a cuerpo. C'est un rare point d'unanimité dans le mouvement analytique. Es un punto raro que ha producido unanimidad en el movimiento analítico. 1. Exclusión de l'acte, de rapport entre les corps. 1. Exclusión del acto sexual. Et 2. De l'image elle-même. Y de la misma imagen. C'est la première différence avec l'amour en général. Es la primera diferencia con el amor en general. L'amour sexué, il n'est pas question de minorer la présence du corps en 3D. En el amor sexual no se trata de aminorar la presencia de los cuerpos en 3D. Et pourtant, même pour ces amours-là, y sin embargo, incluso para estos amores, Lacan s'en est tenu jusqu'au séminaire encore. Lacan se mantuvo hasta el seminario aún, buscó hasta en el seminario aún, a interroger ce qui les cause et ce qu'il vise, ces amours. Interrogaba aquello que los causaba y aquello que buscaban estos amores. Et sa réponse, c'est l'objet A, eux aussi. Y su respuesta es el objeto A. Eux aussi. Cette réponse ne dit pas tout. Esta respuesta no dice todo. Et notamment ne dit pas ce que le début du séminaire encore questionne. Y particularmente no dice eso que el inicio del seminario aún cuestiona. À savoir, d'où vient la jouissance qui se prend au corps du partenaire. A saber, de dónde viene el goce que se prende al cuerpo del partenaire. Lacan précise bien la jouissance qui se prend au lit. Él precisa el goce que se prende de la cama. Le lit, lieu symbolique du rapprochement entre les corps. Lugar simbólico de la aproximación entre los cuerpos. Cette question du début de encore était alors nouvelle. Esta cuestión era entonces algo nuevo. Elle portait sur la jouissance propre à l'acte hétérosexuel. Pues ella estaba dirigido al propio goce del acto heterosexual. Laquelle jouissance n'est pas concernée dans la structure de division du sujet. Este goce no estaba concernido en la estructura de la división del sujeto. En effet, l'objet A comme cause asexuée. En efecto, el objeto A como causa asexuada
comme objet qui manque. C'est sa définition. Comme objeto que falta, es su definición. Nous indique d'où vient l'élan libidinal des parlants. Nos indica de dónde viene el impulso libidinal de los hablantes. Et aussi ce qu'il vise. Y también eso que él busca. Mais ne dit pas ce qu'il obtient dans le corps. Pero no dice eso que él obtiene dans le corps à corps. En el cuerpo a cuerpo. L'écran du fantasme s'interpose entre le sujet barré et son partenaire du fait de la structure de division du sujet. La pantalla del fantasma y la relación de objetos se interpone por el hecho, por a causa de la división del sujeto. Ce fait de l'interposition du fantasme est aujourd'hui passé dans la conscience commune. Este hecho ha pasado hoy en la conciencia común. Le fait de l'interposition du fantasme. El hecho de la interposición del fantasma. Or, le fantasme n'a de réalité que deux discours, dit Lacan. Ahora, el fantasma no tiene más que realidad, no tiene más realidad más que del discurso. Et il inclut la réalité sexuelle de la pulsion qui elle-même n'est pas du corps. E incluye la realidad sexual de la pulsión, la cual no es del cuerpo. Car si le besoin est de mon organisme, la pulsion est du sujet. Pues si la necesidad es de mi organismo, la pulsión es del sujeto. Et elle substantialise l'objet en plus de jouir, mais sans le sexuer et sans impliquer le corps à corps de jouissance. Elle substantialise l'objet con el mar de goce sin sexualizarlo y sin implicar el cuerpo a cuerpo en el goce. L'analyse se définit de cette coupure, exclusion du corps. El análisis se define por este corte, exclusión del cuerpo. Il s'y agit de l'efficace de l'objet cause, non pas au lit, mais dans la parole d'interlocution analytique. Se trata allí de la eficacia del objeto causa, no en la cama, sino en la palabra de interlocución analítica. Le lit y est exclu de principe et il est remplacé quasi ironiquement par le divan. La cama está excluida por principio y reemplazada casi irónicamente por el diván. Lequel d'ailleurs, le divan, n'est qu'une disposition habituelle pour exclure non seulement le réel des corps à corps de jouissance, mais le face-à-face, en 3D, qui relève de l'imaginaire. El cual, el diván, por lo demás, no es más que una disposición habitual para excluir no solamente lo real de los cuerpos a cuerpos de goce, sino también el simple frente a frente de los cuerpos en 3D, lo cual concierne lo imaginario. Je m'arrête donc à la relation de l'objet A au corps. Me detengo entonces en la relación del objeto A al cuerpo. Au corps, aux deux corps de l'intuition, celui de l'analyste et celui de l'analysant. A los dos cuerpos de la intuición, el del analista y el del analizante. Je l'ai dit, l'objet A n'est pas le corps. Yo digo, el objeto no es el cuerpo. L'objeto A no es el cuerpo. Pero... Il est comme une cheville ouvrière. Él es como una piedra angular. Une voie de conducción entre les corps. Un rail, dit Lacan. Una vía de conducción entre los cuerpos. Un carril. Son lieu à l'objet A est celui de l'autre du discours. El lugar del objeto A es el otro del discurso. Sans quoi la parole analytique ne le convoquerait pas. Sin lo cual la palabra analítica no lo convocaría. Bien qu'il ne soit pas un signifiant, l'objet A, il loge dans l'autre.
Si bien el objeto A no es un significante, él habita en el otro. Il y loge au titre de ce qui lui manque. Il y fait trou, on le dit souvent. Él habita allí a título de eso que falta. Se dice continuamente que produce un agujero. Mais il y fait aussi, dans l'autre, animation. Pero él también produce en el otro animación. Et sous une forme clinique précise que Lacan a détaillée. Bajo una forma clínica precisa que Lacan detalló. L'objet A conditionne la double fonction de la métonymie de la parole. El objeto A condiciona la doble función de la metonimia de la palabra. Il a d'abord posé dans l'instance de la lettre que dans la métonymie circule le manque du désir. Lacan, de entrada, ha planteado en la instancia de la letra, en el inconsciente, que allí en la metonimia circula la falta del deseo. Soit l'objet A comme manque. Es decir, el objeto A como falta. Avant d'ajouter dans radiophonie que c'est la jouissance qui y circule dans la métonymie. Antes de adicionar en radiofonía que es el goce el que circula allí. Elle y circule via les mots et les représentations de corps qui logent dans la métonymie, justement. Él circula allí vía la palabra y las representaciones de cuerpos que justamente están allí, que viven ahí. La métonymie, dit Lacan, est métabolisme de la jouissance, dans sa réponse à la question 3 de radiophonie. La métonymie, dice Lacan, es metabolismo del goce en la respuesta a la pregunta 3. Réponse qui est essentielle pour notre question. Respuesta que es esencial para nuestra cuestión. Il y révise les fonctions réciproques de métaphore et métonymie. Allí él revisa las funciones recíprocas de la metáfora y la metonimia. Et pour dire que grâce à la métonymie, la jouissance est ravie d'un corps qui en devient le lieu de l'autre. Para decir que gracias a la metonimia, la serie de estos significantes y estas imágenes significantizadas, en ellas el goce está encantado con un cuerpo. Ravi, c'est pas encantado. La jouissance est ravie, prise, tomada. Ah. El goce está tomado. Tomado, oui. En un cuerpo y este deviene el lugar del otro. Ce corps lieu de l'autre, ce n'est pas le corps en 3D de l'intuition. Este cuerpo, lugar del otro, no es el cuerpo en 3D de la intuición. Et s'il y a du corps dans l'analyse, c'est celui-là. Si hay cuerpo en el análisis, es este. C'est dire que c'est elle la métonymie qui, de son vecteur linguistique, transfère, c'est le terme de Lacan, transfère vers le corps du partenaire, il faut traduire là. C'est la métonymie. C'est la métonymie, slash. Es decir, que ella es la metonymia. De son, vecteur, de son vecteur linguistique transfère par es decir son vecteur que... Excusez-moi. Allez-y. La métonymie par son vecteur linguistique transfère, c'est le terme de Lacan, slash la métonymie. Es el vector lingüístico. Par son vecteur, non. Par son vecteur. Je le dis autrement. Le oui. Vecteur de la métonymie. El vector de la metonimia. Le vecteur linguistique de la métonymie. El vector lingüístico de la metonimia.
Transfert, c'est le texte de Lacan. Transfere es el término de Lacan. Transfert vers le corps du partenaire, ce qui le découpe, la découpe des objets A. Transfiere hacia el cuerpo del partenaire. Del partenaire. M'avait fait perdre le fil. Ouais. Le vecteur de la métonymie transfère vers le corps du partenaire ce qui vaut pour le sujet. Transfiere hacia el cuerpo del partenaire aquello que vale para el sujeto. Soit le plus de jouir. O sea, el más de goce. La métonymie est donc le véhicule du lien. La metonimia es entonces el vehículo del lazo. Du lien du sujet à son partenaire. Del lazo del sujeto a su partenaire. Lien qui n'exige pas le corps à corps. Lazo que no exige el cuerpo a cuerpo. Lien. Oui. Lien lazo, qui... que... lazo que no exige el cuerpo a cuerpo. Ce lien pourrait s'écrire S barré flèche A. Este lazo podría escribirse es sujeto tachado, flecha A. Mais non, Lacan l'écrit avec le poinçon du fantasme. Pero no, Lacan lo escribe con el rombo, con la solange pour del fantasma. Que ce A cherché du côté de l'autre, du corps de l'autre, est celui du sujet. Para decir que este A busca del lado del otro, buscado del lado del otro, está, es del lado del sujeto. Non, est celui du sujet. Perdón. Para decir que este A buscado del lado del otro es el del sujeto. Perdón. Permettez que je force un peu les expressions pour me faire entendre. Permitan que yo force un poco las expresiones para hacerme comprender. Faire couple pour un sujet, c'est se rencontrer soi-même comme A dans l'autre. Producir una pareja para un sujeto es encontrarse a sí mismo como A en el otro. L'autre partenaire. El otro partenaire. C'est rencontrer son propre objet, son être d'objet dans le partenaire. Encontrar su propio objeto, su ser de objeto en el partenaire. D'où le fameux paragraphe de télévision. De allí el famoso parágrafo de televisión. Qui dit le sujet est heureux. Que dice el sujeto es feliz. Il se répète comme un tout seul avec son objet. Él se repite como uno completamente solo con su objeto. Et finalement, pas de rapport sexuel. Y finalmente, no hay relación sexual. Il y a de l'un et rien d'autre. Hay del uno y nada del otro. Sauf que le sujet ne le sait pas. Salvo que el sujeto no lo sabe. Et qu'il rêve de la rencontre qui ne serait pas manquée. Y que él sueña con el encuentro que no será fallido. Je m'excuse de rappeler là ce qui est au fond du béaba lacanien. Me excuso de recordar aquí lo que es el ABC lacaniano. Mais c'est pour revenir à l'analyste et au couple spécifique analyste-analysant. Es para volver al análisis y a la pareja específica analista-analizante. Il est fondé sur ce qui est masqué dans les autres discours. Ella está fundada sobre eso que está oculto o enmascarado en los otros discursos. À savoir le statut d'objet A du partenaire. A saber, el estatuto de objeto A del partenaire. L'analyste, partenaire de l'amour de transfert, se fait de l'objet A. L'analista, como partenaire del amor de transferencia, se hace al objeto A. Se fait de l'objet A. De l'objet A. No sé la traducción.
Comment a dit Cho? Se hace al objeto A. Non, non, al, non, 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 c'est pas la traduction. L'expression de Lacan, se fait de l'objet A, ça veut dire se fait avec l'objet A. Ah, c'est l'analyse. Se constituye con el objeto A. Voilà, exactement. L'objet A que la métonymie de l'association libre transfère sur lui. Objeto A que la métonymie de l'association libre transfère hacia elle. C'est pourquoi j'ai parlé de la métonymie. Es por esto que yo hablaba de la metonimia. Dans l'analyse, tout semble donc commencer avec Cupidon. Todo, entonces, en el análisis, todo parece comenzar con Cupido. Cupidon de l'amour. Cupidon si, de l'amour. Si ce n'était que l'analyste ne prête pas son corps. Si no fuera porque el analista no presta su cuerpo. Le lien analytique n'est pas une simple relation d'objet. El lazo analítico no es una simple relación de objeto. Il se refuse justement, l'analyste. Justamente el analista se niega a esto. Cette dimension de non-consentement aux sollicitations de l'amour. Esta dimensión de no consentimiento a los pedidos del amor. Est présente depuis le début de la psychanalyse freudienne. Está presente desde el comienzo del psicoanálisis freudiano. On soustrait la consistance imaginaire. C'est une consistance imaginaire du face-à-face des deux corps. Se sustrae la consistencia imaginaria del frente a frente de los dos cuerpos. Pour favoriser l'émergence dans la parole d'une autre consistance. Para favorecer la emergencia en la palabra de otra consistencia. D'une autre consistance, celle du fantasme avec ses signifiants et ses images. De otra consistencia, la del fantasma con sus significantes y sus imágenes. Qui sont les voies de conduction de la demande analysante vers son objet plus de jouir. Que son las vías que conducen la demanda analizante hacia su objeto más de goce. Et donc l'analyste se fait de l'objet A, se fabrique de l'objet A, mais il ne l'est pas. Entonces el analista se fabrica el objeto A, pero el analista no lo es. Il n'en fait que semblant. Él no es más que semblante. Il se prête, pas plus. Lo único que él hace es prestarse. L'analysant le consomme. Voilà une chose que l'analyse partage avec le capitalisme, une consommation. El analizante lo consume, es algo que el psicoanálisis comparte con el capitalismo, el consumo. L'analysant consomme l'analyste oralement, analement, scopiquement, dans son invocation. El analizante consume al analista oralmente, analmente, escópicamente, en su invocación. Mais notez-le, l'analyste est une nourriture inépuisable. Pero noten, es un alimento inagotable. Il reste indemne. Si indemne, l'analyste, qu'il est toujours prêt pour une autre consommation venue d'un autre analysant. Permanece indemne, tan indemne, que él está siempre cerca del analista para otro consumo que provenga de otro analizante. Ce qui prouve bien qu'il n'y met pas son corps, le corps qu'il a. Lo que comprueba muy bien que él no pone allí, no mete allí su cuerpo, el cuerpo que él tiene. Et cette soustraction est nécessaire pour que l'analysant finisse par apercevoir que ce qu'il cherche, c'est lui, de lui et lui. Y esta suscripción es necesaria para que el analizante acabe por percibir que lo que él busca es él. Qu'est-ce qui permet à un sujet, donc, de soutenir cette place où il fait semblant d'objet? ¿Qué es lo que permite sostener este lugar donde él hace
el lugar de semblante de objeto. Me voilà à l'os de la question. Et ahí el hueso de la cuestión. Qu'est-ce qui assure la présence de semblant d'objet? Car c'est une présence. ¿Qué es lo que asegura la presencia del semblante de objeto? Que es una, pues es una presencia. L'expression semblant d'objet signifie deux choses, en fait. Hein? En efecto, la expresión semblante de objeto significa dos cosas. L'analyste permet à l'analysant de produire les mots et les images qui enveloppent cet objet. L'analista permite al analizante producir las palabras y las imágenes particulares que envuelven este objeto. Qui donc font passer l'objet au semblant. Que entonces lo hacen pasar al semblante. Lacan dit passer à l'inconscient. Lacan dice pasar al inconsciente. Et d'autre part, par sa présence, l'analyste fait semblant de ce qui résiste à s'en dire de l'objet A. Y de otro lado, por su presencia, el analista hace semblante de aquello que resiste a decirse. Il fait présence de l'impossible à dire, du trou irréductible. Él hace presencia de lo imposible de decir, del agujero irreductible. Comment peut-il venir à l'idée qu'il faudrait le corps de l'espace intuitif du cabinet pour qu'il puisse tenir cette fonction? ¿Cómo puede presentarse la idea de que es necesario el cuerpo del analista en el espacio intuitivo del consultorio para que él pueda cumplir esta función? Alors que depuis toujours dans la psychanalyse freudienne, dès le début, mientras que desde siempre en el psicoanálisis freudiano, desde el comienzo, l'analyste opère par l'interprétation. El analista opera por la interpretación. Un pur phénomène de discours. Un puro fenómeno de discurso. Dans lequel il n'est pas même sujet, dira Lacan. En el cual él incluso no es sujeto, dirá Lacan. En outre, explicitement, cette fois, Lacan... En otro momento, explícitamente esta vez... Lacan écrit que ce n'est possible... Lacan escribe que esto no es posible... de tenir la place du semblant d'objet, hein. Ce n'est possible que par l'entrée en jeu d'une autre dimension. Esto no es posible si no entra en juego otra, si no está puesto en juego otra dimensión. Il écrit néologiquement dimension, vous savez, avec un T en français, pour dire qu'il s'agit d'un fait de discours. Él escribe neológicamente con una T en francés, para decir que se trata de un hecho de discurso. Et il ajoute que cette dimension autre qu'introduit l'analyste permet menciona que esta dimensión otra que introduce el analista permet la coupure entre le sujet et son objet. Permite el corte entre el sujeto y su objeto. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec le corps intuitif? Rien. ¿Qué tiene esto que ver con el cuerpo intuitivo? Nada. De même, en 75, donc plus tard, aux USA, Lacan écrit la structure du discours analytique. De igual manera, en 1975, entonces más tarde, escribe en los Estados Unidos la estructura del discurso analítico. Et à la place de l'objet agent du discours, il écrit silence. Y en el lugar del objeto agente del discurso, escribe silencio. Le silence étant lui aussi un fait discursif et non corporel. Siendo el silencio un hecho discursivo non y no corporal. Si ce n'était pas le cas, d'ailleurs, la formation des analystes ne se poserait pas. Si esto no fuera así, la formación de los analistas no se plantearía. Il suffirait de poser son corps derrière le divan pour que l'on soit dans le discours analytique. No sería suficiente poner el cuerpo detrás de un diván para que se esté en el discurso analítico. La présence de l'analyste, c'est la présence d'un dire spécifique.
La presencia del analista es la presencia de un decir específico. Lequel inverse celui de l'analyseur. El cual invierte el del analizante. L'analysant vient pour se dire. Ce n'est pas le cas de l'analyste. El analizante viene para decirse y este no es el caso del analista. L'analyste n'est pas là pour se dire. El analista no está allí para decirse. Mais premièrement, pour faire dire, c'est sa fonction de cause. Sino primeramente para hacer decir, es su función de causa. Et deuxièmement, pour lire le dire de l'autre. Y en segundo lugar, para leer el decir del otro. C'est sa fonction d'interprétation. Es su función de interpretación. Son dire est donc un dire qui silencie, si je puis dire, tout ce qu'il est lui-même. Si puedo decirlo, es un decir que silencia todo lo que está allí. Tout ce qu'il est lui-même, l'analyste, sa subjectivité, son fantasme, ses pulsions, son symptôme. Bueno, que silencia todo lo que está allí de su subjetividad, su fantasma, su síntoma, pour l'analyste, sus propias pulsiones. Pour l'analyste, donc, l'élision du corps que programme le discours analytique est redoublée. Para el analista, la elisión del cuerpo que programa el discurso analítico es redoblada. C'est une voie d'abnégation, dit Lacan. Es una vía de abnegación, decía Lacan. Ce qui ne l'empêche pas de fonctionner éventuellement comme le, je cite Lacan, le partenaire qui a chance de répondre. Ce qui n'empêche pas. Lo que no le impide funcionar, cito el texto de 1973 como partenaire. Qui a chance de répondre. Que tiene la suerte de responder. Ah, non, 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 c'est pas une bonne traduction. Tiene la suerte. Ce n'est pas une chance pour l'analyste. Mm-hmm. C'est une façon de dire il y a une chance pour qu'il réponde. No es una buena traducción, no es la suerte, es que hay la posibilidad de que él responda. Ouais. C'est-à-dire, et s'il répond, il fait apparaître pour l'analysant. Es decir, si él responde, él hace aparecer para el analizante. Tout ce qu'il est possible de savoir dans ce qu'il ne sait pas. Hace aparecer para el analizante todo eso que es posible saber en eso que él no sabía. Bon, alors maintenant. Toutes les références que j'ai empruntées à Lacan jusque-là, sauf la dernière, se situent dans la période qui va de fonction et champ de la parole et du langage jusqu'à l'étourdi. Vous avez dit. Les références que j'ai tomado de Lacan hasta el momento, salvo la última, se sitúan en el periodo que va de función y campo de la palabra hasta el autolondradicho. Et donc, je me suis demandé. Est-ce que le tournant de encore y change quelque chose? Entonces yo me pregunté si el giro que se presenta en aún cambia algo. Notamment avec la notion tellement en vogue chez nous maintenant de corps parlant. Particularmente con la noción tan en boga entre nosotros de cuerpo hablante. Je note en tout cas, premier point, que l'hypothèse que Lacan dit être sienne dans ce séminaire n'y change rien à tout ce que je viens de dire. Señalo en todo caso que la hipótesis que Lacan dice que es suya en este seminario no cambia nada. Elle était d'ailleurs implicite depuis longtemps. Por lo demás, ella estaba implícita desde hace tiempos. Vous en connaissez la formulation dans encore. Ustedes conocen la formulación en aún. Les mots
touche quelque chose qui n'est le langage, les mots touchent quelque chose qui n'est pas langage. Las palabras tocan algo que no es lenguaje. Le corps comme organisme qui en est fait sujet, dit Lacan. El cuerpo como organismo que hace sujeto. Qui est fait sujet. Que ha producido un sujeto. Non, non, non. La traduction est difficile, c'est des expressions de Lacan. Le corps. Es una traducción difícil, es una expresión de Lacan. Le corps en est fait sujet. Le corps en devient sujet. El cuerpo se convierte en sujeto. Corps sujet, et je dis moi-même. Cuerpo sujeto, he dicho yo. Quand Lacan dit sujet, ce n'est pas celui du subjectif de la psychologie. Cuando Lacan dice sujeto, no es lo subjetivo de la psicología. Le sujet dans son essence, il est coupure dès lors que représenté par du signifiant. El sujeto es corte en tanto es representado por el significante. La pulsion, c'est du corps fait sujet par la découpe des objets. La pulsión es el cuerpo hecho sujeto por el corte de los objetos. Es del cuerpo hecho sujeto por la découpe, el corte de los objetos. Sí. Sí. Por el corte de los objetos a... Je parle avec mon corps. Yo hablo con mi cuerpo. La frase est de encore. Mais la frase es de aún. C'était déjà présent dans Subversion du sujet et dialectique du désir. Estaba ya presente en Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Page 816 et suivante des écrits en français. Página 816 y las siguientes en los escritos en francés. Lacan disait le sujet de l'inconscient qui parle tout en ignorant qu'il parle. Lacan decía el sujeto del inconsciente que habla a la vez que ignora. Eso que él habla, on le trouve dans un repérage organique. Se encuentra en una localización orgánica. Les coupures de la pulsion. Los cortes de la pulsión. Donc la réponse au que suis-je. Entonces la respuesta al quién soy. Que suis-je dans ce que je dis sans savoir que je le dis. ¿Quién soy yo en eso que yo digo sin saber yo lo que digo? Sin saber que yo lo digo. Cette réponse est donnée par la pulsion, les pulsions du sujet. Esta respuesta es producida o viene de la pulsión del sujeto. C'est dire déjà, sans le dire encore. Es decir, sin decirlo. Que le savoir inconscient détermine moins le sujet que mon organisme en y introduisant ses coupures. El saber inconsciente no determina el sujeto directamente, sino su organismo introduciendo allí sus cortes. Et ses coupures et ses plus de jouir. Y sus más de goce. Et l'organisme devient corps-sujet. Y el organismo se convierte en cuerpo-sujeto. C'est ce qu'il a nommé ensuite inconscient réel. Es lo que él nombró después como inconsciente real. Des signifiants logés dans la substance jouissante. El significante alojado en la sustancia gozante. Qui détermine les coupures et les consistances de plus de jouir corporel. Inconsciente. L'inconscient réel logé dans la substance jouissante, l'inconscient réel qui détermine les coupures et les consistances de plus de jouir corporel. De plus de jouir corporel. Sí. C'est l'inconsciente réel. Il faut traduire. Oui, oui. L'inconsciente réel qui détermine les cortes et les consistances du mal du goce corporel. Plus tard, en 75, il dit l'inconscient par l'être.
Más tarde, en 1975, él dice, el inconsciente será hablante. Oui, l'inconscient dont les signifiants jouis que l'on parvient à isoler répondent à l'énigme du sujet. Sí, el inconsciente, los cuales los significantes gozados que se logran aislar responden a l'énigme del sujeto. Rien de changé donc à ce que j'ai développé de l'exclusion du corps de l'intuition dans l'opération analytique jusque-là. Nada ha cambiado entonces de eso que yo he dicho sobre la exclusión de los cuerpos de la intuición en la experiencia analítica. Il y a cependant un vrai tournant dans encore. C'est pas l'hypothèse. Hay sin embargo un verdadero giro en aún, no es una hipótesis. Le changement, c'est pas l'hypothèse. L'hypothèse, elle était déjà là. Ah, sí. El cambio no es la hipótesis. Él ya estaba ya ahí. Le changement, ça concerne le rapport entre le langage qui est appareil de jouissance. El cambio concierne la relación que hay entre el lenguaje, que es el aparato de goce, et la jouissance elle-même. Y el mismo goce. Avec la thèse qui dit le savoir, donc le signifiant, se jouit. Con la tesis de que el saber o el significante se goza. Les éléments de la langue, donc, se jouissent. Los elementos de la lengua se gozan. J'ai souvent souligné ce tournant. Yo he subrayado continuamente este giro. Le je pense se jouit, dit-il. El yo pienso se goza. C'est dire que, contrairement à ce qu'il a dit jusque-là, je te laisse traduire ça. Es decir que, contrairement à ce qu'il a dit jusque-là, es decir que, contrariamente a eso que él ha dicho ya hasta este momento, entre le langage avec son formalisme et la jouissance qui suppose le vivant, entre el lenguaje con su formalismo y el goce que se supone al viviente, il y a ce qu'il nomme coalescence. Se presenta eso que él ha llamado coalescencia. C'est-à-dire, ça ne fait pas deux, mais un. C'est tout un. Es decir, es todo uno. Eso no produce dos, sino uno. Alors là, voilà du nouveau dans le séminaire encore. Oui. Et ahí algo nuevo en el seminario aún. Mais ce nouveau ne change rien à la disjonction radicale sur laquelle j'insiste aujourd'hui. Pero esto nuevo no cambia nada en la disjonción radical sobre la que yo insisto. Entre d'une part le corps lieu de l'autre et de la substance jouissante. Entre, de un lado, el cuerpo, lugar del otro, y de la sustancia, goce. Et d'autre part, le corps de l'espace intuitif imaginaire. Y de otro lado, el cuerpo del espacio intuitivo imaginario. Qui, dans l'analyse, a plutôt un rôle d'écran et de résistance. Que el análisis tiene más bien un rol de pantalla, de resistencia. Seul le premier corps est concerné dans l'analyse. Solo el primer cuerpo es concernido en el análisis. Et il n'a pas de topic, ce corps-là. Y no hay tópica de este cuerpo allí. Il est partout où se trouve l'effet de langage et de parole. Él está en todos los lugares donde se encuentra el efecto del lenguaje y de la palabra. Quel que soit leur canal de transmission. Cualquiera que sea el canal de transmisión. Que ce soit dans l'espace atmosphérique du cabinet, je dois que sea, à Gabriel Lombardi. Hein? Espacio que sea el espacio, sea este el espacio atmosférico del consultorio. Término se lo debo a Gabriel Lombardi. Ou à distance dans l'espace des moyens électroniques. O a distancia en el espacio de los medios electrónicos. Qui ne sont pas plus virtuels que les atmosphériques dès lors qu'il y a réception de la matière signifiante.
que no son más virtuales que los atmosféricos desde que hay resección de la materia significante. Alors, je conclus donc, une fois de plus, que les corps de l'espace intuitif ne manquent pas au discours analytique. Yo concluyo, entonces, una vez más, que los cuerpos del espacio intuitivo no le faltan al discurso analítico. Quand on est par téléphone. Cuando se está por el teléfono. Il n'y manque pas dès lors que l'interlocution analytique y est. Él no falta a partir del momento en que la interlocución analítica está allí. Et elle y est si l'analyste l'assure. Y ella está allí si el analista lo permite. Alors, je vais terminer je crois que la thèse donc de la coalescence, j'ai dit que la thèse de la... J'ajoute quelque chose là, Luis Fernando, que tu n'as oui. pas. J'ai dit que la thèse de la coalescence, langage jouissance, ne changeait pas. Yo digo que la tesis de la coalescencia, de la coalescencia, langage jouissance, lenguaje goce, ne change pas ce que j'ai dit sur l'élision du corps dans l'analyse. No cambia eso que yo he dicho sobre la elisión del cuerpo en el análisis. Par contre, je dois préciser que cette thèse accentue considérablement ce qu'il a dit de la métonymie dans radiophonie. Por el contrario, creo que esta tesis acentúa eso que él dice sobre la metonimia en radiofonía. En effet, si le signifiant se joue, en efecto, si el significante se goza, la jouissance n'est pas seulement dans le corps. El goce no está solamente en el cuerpo, le corps lieu de l'autre, en el cuerpo lugar del otro, elle est dans le parler lui-même. Él está en el, dale, le parler, el hablar, en lo hablado, en lo hablado, hablar, el hablar, en el hablar. Et ça change beaucoup de choses. Par ailleurs, mais la fonction du corps de l'espace intuitif, mais pas la fonction du corps de l'espace intuitif dans la psychanalyse. Eso cambia muchas cosas, pero no la función del cuerpo en el cuerpo intuitivo en el espacio analítico. Alors, je termine. Je vais terminer. Entonces voy a terminar. J'ai fait la démonstration que j'ai faite, je l'ai faite de manière générale. La demostración que yo he hecho, la he hecho de una manera general. Je pourrais reprendre la démonstration pour chaque étape de l'analyse en réalité. Yo podría en realidad tomar esta demostración para cada etapa del análisis. Afin de l'y ajuster. Con el fin de precisarlo. Je ne vais pas le faire, j'indique juste deux points. Yo no lo voy a hacer, voy a indicar justo dos puntos. Les deux étapes les plus lisibles sont l'entrée et la sortie. Las dos etapas, las más legibles, son la entrada y la salida. L'entrée, c'est l'investiture transférentielle de l'analyste. La entrada es la investidura transferencial del analista. Elle suppose le transfert de A, même s'il est encore inaperçu. Ella supone la transferencia de A, incluso si aún no es percibido. Non, pas la transferencia. Le transfert, verbe. Que le A se transfère. Ah. Ella supone que le A soit transféré sur l'analyste. Supone que el A sea transferido al analista. Même incluso si, si aún no es percibido. Et ce transfert ne se transfère au sens du verbe, hein, transférer. Y esa transferencia no se hace en el sentido del verbo transferir. Ne se fait pas par le corps,
Mais, ella no se hace por el cuerpo. Là, quand on le dit, page 67 de télévision, par une formation de l'inconscient. No se hace por el cuerpo. Lacan lo dice en la página 67 de televisión, sino por una formación del inconsciente. Quant à la sortie de l'analyse, c'est son désêtre à l'analyste. La salida está referida al de ser del analista. Soit la chute, le suspens de cette investiture transférentielle qui fait passer A au semblant. Es decir, la caída, el suspenso de esta investidura transferencial que hace que A pase al semblante. Autrement dit, la réduction, Lacan emploie ce terme, la réduction de l'analyste à l'objet A en tant qu'impossible à dire. Dicho de otra manera, es la reducción, Lacan lo dice así, al objeto en tanto que es imposible de decir. Réduction qui n'est nullement une réduction à son corps. Reducción que no es de ninguna manera una reducción a su cuerpo. Mais à la fonction de cause du désir qu'est son silence. Sino a la función de causa del deseo que es su silencio. Bon. Donc je n'entre pas dans ce chapitre de l'application aux phases de l'analyse pour aujourd'hui. Yo no entro hoy en este capítulo de l'application aux phases de l'analyse aujourd'hui. De la aplicación de phase de l'application aux étapes de l'analyse. Ah, sí, de l'application à las etapas de l'analyse, phases de l'analyse. Je préfère maintenant, si vous voulez bien, ouvrir avec vous un espace de discussion. Prefiero, si ustedes lo quieren bien, ahora abrir mejor un espacio de discusión. Bueno, vamos, muchas gracias Colette por sus planteamientos que son bastante provocadores, impulsan a continuar trabajando en todo esto. Merci Colette. Ce que vous avez présenté, ça provoque un travail. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Ustedes pueden encontrar la función para pedir la palabra. Luis, ¿quieres que te releve, Mónica, que te veo cansado? No, tranquilo. No. Imagine, Luis Fernando, que tú dois être épuisé. Sí, no, lo que pasa es que creo que acabo de decir en francés y bueno. Importa. No, estoy en buenas condiciones, no hay problema. No, fui perfecto. C'était parfait, ta traducción. Pas de problema. Merci. Decía entonces que pueden pedir la palabra a partir de la función de Zoom que se encuentra debajo de los participantes, la manita azul. Ya veo una mano levantada, la de Leonardo Leitzon, Sara Rodowitz. Colette quiere recibir varias preguntas o una por una. Quizás dos, tres, no más, porque después olvido las primeras. Me confusión, hace confusión. Bien. Voy entonces a pasar la palabra a Leonardo. Puedes activar el micrófono. Leonardo, sí, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Colette, porque ha sido una intervención, me ha hecho, me hace pensar muchísimas cosas. Pero quería referirme a una.
o dos. Estoy de acuerdo que el análisis no es una técnica corporal, no es un true body psychology. Leonardo, yo creo que tendrías que hacer pausa para... Ah, no, colega, ah, sí, para... pero lo que ocurre es que hay varios auditores que no entienden, entonces hay que traducir la pregunta. Perfecto. Entonces okay. Hacen las pausas para poder hacer la traducción. Perfecto. Decía, entiendo que el análisis no es una técnica corporal. ¿Sí comprenden que el análisis no es una técnica corporal? Ni una two bodies psychology. Ni una, non plus un two body psychology. Pero la pregunta es, no se puede pensar, no podemos pensar. La cuestión es si on ne peut pas penser que en ciertas ocasiones el cuerpo del analista impone que en certain moment le corps de l'analyse impose una objeción, una restricción a la infinitización de la producción de sentido. Une objection à la infinitisation, à la oui. Production, à l'infini des sens. Por parte del analizante. De côté de l'analysant. De l'analysant. Pensaba en lo que Lacan dice. Je pense à ce que dit Lacan. Cuando dice que la interpretación pone en juego un sentido real. Cuando él dice que la interpretación mete en marcha un sentido real. Oui. ¿Un qué real? Un sentido, oui. Un sentido real, oui. Y pensaba si hay algo del análisis que toca al cuerpo. Toca el cuerpo en tanto cuerpo gozante. Il n'y a pas quelque chose de l'analyse qui touche au corps. Como cuerpo gozante. Como corps que jouit. En tanto, también recordaba esa definición de Lacan. Y je me suis rappelé de cette definición de Lacan. Que el cuerpo es un corte que preside su desmontaje. Que le corps, c'est un coupure. Un coupure qui précède. Qui précède. Son découpage. Son découpage. Je ne comprends pas la phrase en castellano. Quelle est la phrase? Un corte que précède su desmontaje. Un corte que précède su desmontaje es en el seminario de la lógica del fantasma. Un corte que el cuerpo es el corte que preside su desmontaje, dice en la lógica del fantasma. Oui, bah, ça confirme ce que je dis, oui. Sí. Me recuerda eso. Sí. Oui. Pero si no hay algo de la presencia del cuerpo del analista, no necesariamente de lo imaginario. Si n'y a pas quelque chose de la presencia del cuerpo del analista, pas nécessairement de l'imaginaire. Bon, je répondrai après une autre question alors. Voy a responder después de otra pregunta. Sara, tienes la palabra. Oui. Merci beaucoup, bonsoir. Merci pour cette conférence qui était très très dense, très important. Je crois que. Muchas gracias. Excuse-moi. Muchas gracias por esta conferencia que considero densa e importante. Je crois que vous nous poussez comme toujours de ne pas suivre trop les craintes généralisées et de repenser à chaque fois avec ce qui nous tombe dessous la psychanalyse. Usted nos empuja a responder. Ça a été trop long pour moi. Je crois que nous sommes aussi poussés à ne pas suivre les affects, disons. Estamos entonces empujados a no seguir los afectos d'une crainte, des inquiétudes.
Los afectos que producen un temor, una inquietud. Avec ce qui nous tombe dessous. Et con eso que nos ocurre. Et de donc repenser la psychanalyse hein, chaque fois. Y entonces empuja a repensar el psicoanálisis cada vez. Pourtant, je voudrais noter qu'il a fallu cet événement de la pandémie. Sin embargo, quiero señalar que ha sido necesario la presencia de esta pandemia pour que se produise ce changement du setting. Para que se produzca un cambio, j'ai pas compris la fin. Pour que se produise ce changement, cette possibilité, cette nécessité si répandue de faire des analyses par téléphone ou par d'autres moyens. Para que se produzca este cambio que ha llevado a que se produzcan análisis por teléfono. Je voudrais juste poser une question, une remarque. Yo quisiera plantear justo una pregunta o un señalamiento. Il me semble que dans les analyses qui se poursuivent par téléphone ou par d'autres moyens. Me parece que los análisis que se hacen por teléfono o por otros medios. On suppose quand même, on suppose un corps à l'analyste. Se supone aún al analista. Se supone un cuerpo al analista, perdón. En tant qu'analysant, on suppose un corps à l'analyste. El analizante supone un cuerpo al analista. Et il me semble que le corps pour l'analyste de l'autre côté. Pero me parece que el cuerpo para el analista del otro lado puede être aussi un moyen parmi ce moyen posible d'intervenir, c'est-à-dire tout simplement pour dire puede ser un otro medio posible y après un otro moyen posible. Par exemple, la coupure d'une séance se produit autrement. Por ejemplo, el corte de una sesión se produce aussi par ce corps de l'analyste. Se produce también por el cuerpo del analista. Son silence. Su silencio. Yasser. Bon, je vais peut-être répondre aux deux questions. Oui, je vais répondre à deux questions. Voilà, alors, j'ai commencé par deux corps, un sujet. J'ai commencé par deux corps, j'ai commencé par deux corps, un sujet. C'était pour dire qu'il y a deux corps. Era para decir que hay dos cuerpos. La question porte pas là-dessus. Ça va de soi, il n'y a pas d'analyste sans corps. La question no se dirige à eso, esto es un hecho dado, hay dos cuerpos. La question porte sur si il faut qu'il soit en présence dans le même espace. La question es si es necesario que estén presentes en el mismo espacio. Donc sur ce point, il n'y a pas d'ambiguïté, bien sûr qu'il y a deux corps. En este punto no hay ambigüedad. Por supuesto, hay dos cuerpos. Bon, alors, est-ce que la présence dans le même espace du corps de l'analyste est nécessaire? Entonces, la cuestión es si la presencia del cuerpo del analista en un espacio es necesario. Pour que l'on arrive à mettre une butée à l'infinitude associative. Para que se le ponga un fin a la asociación al infinito. Je ne vois pas en quoi le corps présent dans la séance serait nécessaire. Yo no veo entonces por qué sería necesario la presencia del cuerpo en la sesión. Parce que comment Lacan appelle justement ce qui pourrait mettre buté
à la dérive infinie du midir. C'est ça, por eso, la dérive infinie, c'est le midir. Lo que Lacan se plantea es como poner fin à la deriva à l'infinito del medio decir. C'est un réel. Il le nomme ainsi. Et vous évoquiez justement un sens réel. Es un real y usted evocaba precisamente un sentido real. Et ça, c'est une exigence discursive et pas corporelle. Y esto es una exigencia discursiva y no corporal. Alors, relativement aux questions que se pose Sarah. Oui, en cuanto a la pregunta que se plantea Sarah. Oui, vous disiez, il a fallu la pandémie. Pas tout à fait. Ha sido necesario la pandemia? Non, non complètement. Aux États-Unis, la pratique de l'analyse par téléphone est largement répandue. La pratique de l'analyse par téléphone est amplement pratiquée. En raison, dit-on, des espaces. Des espaces, des grands espaces des États-Unis. On dit que c'est en raison de ça, mais bon. Il dit que à cause de los grandes espacios que hay en los Estados Unidos. Mais chez nous, c'est vrai que c'est le cas, et qu'en plus, pour aller dans votre sens, en plus, quand le Covid recule, les analystes reprennent les analyses en présence. C'est dire qu'on les préfère. On les préfère. Je n'en doute pas. Mais les préférer ne veut pas dire que... Colette, s'il te plaît, tu as parlé trop long. Ah oui, d'accord. C'est difficile de faire... Excuse-moi, j'ai oublié la traduction. Mm-hmm. Alors, je ne sais plus où il faut reprendre. Oui, je dis, les analyses, pour aller dans le sens que de la remarque de Sarah... Para ir en el sentido de lo que señaló Sara. No solamente il a fallu la pandemia. No solamente ha sido necesario la pandemia. Mais dès que le COVID recule, on revient aux séances en présence. Pero en el momento en que empieza a desaparecer el COVID, se vuelve a las sesiones en presencia. Ce qui veut dire qu'on les préfère. Lo que quiere decir que se prefieren. Il n'y a pas de doute. No hay duda de eso. Mais qu'on les préfère ne veut pas dire el hecho de que se prefiera que cette présence dans le même espace soit nécessaire au discours. No quiere decir que la presencia en el mismo espacio sea necesario para el discurso. Alors ça c'est le premier point et este es el primer punto. Et concernant la coupure de la séance dans mon expérience, je ne vois pas de différence entre le fait de se lever pour couper la séance et arrêter par téléphone en disant c'est terminé. C'est la coupure. En cuanto al corte de la sesión, yo no veo ninguna diferencia entre levantarse cuando se está con la presencia del cuerpo y terminar la sesión cuando se está por teléfono. Stop, stop. Cuando se le dice pare, pare. Bon. Bon, voilà, pour l'instant ça va. Bueno, por el momento está bien así. Vamos entonces a tomar otras preguntas, pero Pablo tiene la palabra, pero Pablo, Areo. Je voulais ajouter quelque chose. Quisiera adicionar algo. Je voulais ajouter ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, que j'ai développé ailleurs. Yo no lo he hecho hoy, pero en otro lugar lo hice. Qu'il y a une fonction possible du corps imaginaire. Que hay una función posible del cuerpo imaginario. Dans la séance. En la sesión. Possible. Possible. Mais pas nécessaire. Posible, pero no necesaria. Mais je reviens pas là-dessus, mais c'est no sûr. No voy a volver sobre esto. Bien, pero Pablo, le ruego por favor a las preguntas que sean breves porque hay varias personas pidiendo la palabra. Bueno, Pedro, voy,
Oui, je demande que les questions soient courtes parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent la parole. Oui. Si elles sont courtes, on peut en prendre plusieurs peut-être et elles vont peut-être être convergentes. Si, si sont courtes, se pueden tomar varias porque pueden ser convergentes. Sí, voy brevemente a dos preguntas. La primera, en parte, la ha respondido. Bueno, muchas gracias, Colette. Yo le puse dos questions d'abord, le remercie a Colette. Sí, yo capté que principalmente se refirió en su elaboración al análisis por teléfono. Puede ser que yo me haya perdido de algo porque tuve que levantarme unos minutos. Et tu as parlé sur l'analyse par téléphone. Peut-être j'ai perdu quelque chose parce que j'ai dit me lever. Oui. Sí. Aunque ahorita hizo alguna referencia a otros elementos que pueden ser imaginarios en la sesión y que no por ser imaginarios no tengan una cierta importancia. Mais tu as fait référence aussi à certains éléments imaginaires, mais qui pourraient être imaginaires, il manque d'importance dans la séance. Exact. Por ejemplo, en una sesión que sea así, con imagen, si puede elaborar un poquito sobre eso. Esa es la primera pregunta. S'il y a une séance avec la image, est-ce que tu peux dire quelque chose? Avec l'image. L'image, oui. Sí, por la ejemplo, avec l'image, est-ce que tu peux dire quelque chose sur ça? Sí. La segunda. La deuxième. A ver, esta elaboración suya y otras que se han hecho por colegas del trabajo. Celle que vous avez proposé y des autres qui ont été faites par des autres collègues. Acerca del análisis a distancia, se han multiplicado ahorita en razón de la pandemia. Autour de l'analyse a distancia, ils se sont multipliés a cause de la pandemia. Y han ocasionado un cambio en nuestro mapa de la doxa, por así decir. Et ils ont fait un changement dans la carte de la doxa, pour ainsi dire. Sí, porque o pour antes, le dire de cette manière. Sí. Antes teníamos como dos partidos, ¿no? A favor del análisis a distancia, con mayor o menor entusiasmo, y en contra del análisis. On avait deux équipes, ceux qui étaient pour l'analyse à distance et ceux qui étaient contre l'analyse à distance. C'est comme ça chez vous, parce que ce n'est pas comme ça chez nous. Hein. Je n'ai jamais entendu ces deux parties chez nous. Là. Et c'est dans le lugar où ustedes están, parce que entre nosotros, je n'ai pas escuchado hablar de esos dos equipos, de esos dos partidos. Sí, a ver, en los distintos foros que yo he conocido en Venezuela, Colombia, Brasil, España, Francia. Dans les différents foros que j'ai connus, Venezuela, Colombia, España. Brasil. Brasil. Había y hay personas a favor del trabajo a distancia y otros en contra. Il y avait et il y en a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre le travail à distance. Et bueno, de los termino. Y muchos de los enemigos del análisis a distancia ahora son fervorosos defensores del trabajo a distancia. A ver, y pas mal des ennemis de travail à distance, ils se sont reconvertis, ce sont maintenant des passionnés, des fidèles, de le contraire. Sí. Bueno, solamente si puede un comentario general sobre si esto lleva pues a alguna característica general de las comunidades psicoanalíticas. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire autour de ça pour savoir si ça caractérise un peu, de quelle manière ça caractérise les communautés analytiques?
Rita Sebasco. Bonjour, merci Colette Soler. C'est comme toujours très riche tout ce que vous avez développé, bien sûr. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Colette Soler porque muy interesante lo que usted ha planteado. Effectivement, je reprends la différence entre le téléphone et l'usage du Skype, par exemple. Vous avez parlé que du téléphone. Il y a aussi l'usage du Skype. Bon, si je retomo el uso del teléfono y el uso de Skype. Et donc, j'en profite pour vous inciter à nous en dire un peu plus sur la différence. Y yo quiero que usted nos pueda decir algo más sobre la diferencia entre le corps 3D et le corps 2D. Et la entre question... el cuerpo 3D y el cuerpo 2D. O sea, la question de la virtualité. Parce que effectivement, il y a comme une illusion. O sea, el cuerpo de la virtualidad, pues hay una ilusión. De quel cuerpo 3D, oh, ça y est, que le corps 3D. De cuál cuerpo 3D. Es más real que el cuerpo 2D. El cuerpo 3D es más real que el cuerpo 2D. Cuando en realidad los dos son virtuales. En realidad los dos son virtuales. Por lo menos formula esa hipótesis. Y para terminar, ¿y por hay finir? Algo que no se ha mencionado. Y por finir, ya que hecho es que no pa parler del sur le cual on n'a pas parlé. Et c'est la question de l'argent, du paiement à la fin de la séance. C'est la question de l'argent, le paiement à la fin de la séance. L'acte de la circulation de l'argent à la fin de la séance. L'acte de la circulation de l'argent à la fin. Ah, l'acte de la circulation au final de la session. Qui est évidemment supprimé par téléphone ou par Skype, même si l'argent circule, bien sûr. Mais le cual est supprimé par téléphone et par Skype, por supuesto. Je ne sais pas si c'est une importance, mais en tout cas, c'est un geste, un acte, quelque chose qui est supprimé. Je ne sais si c'est important, mais de toute manière, c'est un acte, un geste qui est supprimé. C'est tout. C'est fini. Oui, d'accord. Écoutez, recevons plus ou quieres répondre à ces trois? Je vais répondre très vite, très vite. Je vais répondre très rapidement. Alors. Analyse par Skype ou par téléphone. Je n'ai parlé que par téléphone. Parce yo, que... Analyse par Skype ou par téléphone, je ne parle que par téléphone. L'idée dominante, c'est que on supprime le face-à-face dans les séances. Je vois pas pourquoi. Lo dominante es que se supprime le frente-à-frente en las sesiones. Pourquoi on le rétablirait par Skype? ¿Por qué se va a restablecer por Skype? No, Skype, on peut éliminer la image, mais on peut la mettre au début et à la fin. Oui. Podemos eliminar, en Skype se puede poner al principio y al final, se puede eliminar la imagen. Aucune importance. Ça n'a aucune importance. La question, c'est, et même dans les séances en présence, le maniement du face-à-face et du divan, c'est pas une règle. Incluso en las sesiones sin presencia, el manejo del frente a frente y del divan. C'est pas une règle d'airain. No es una regla. D'airain, règle de fer. No es una regla en el sentido de cómo se hace. Non, enfin, c'est une règle que les. Ah, de hierro. C'est une. Ah, una regla. ¿Cómo se dice? Que se impone absolutamente. Les analystes peuvent ajuster au cas des patients. Avoir des patients face à face, ils font des analyses, des tranches. Bon. Donc, ce n'est pas non plus une prohibition fondamentale d'enlever l'image du Skype. Mais c'est vrai, comme vous dites, Rité, qu'avec le Skype, on peut se dire bonjour, comme dans le... On ne se serre pas la main, mais on ne se la serre plus de toute façon maintenant. On ne se serre pas la main par Skype. Il faut que je traduise. Oui. O sea, que no hay un estándar, los casos se pueden trabajar de diversas maneras, frente a frente, según los análisis, el momento.
Y es verdad que en el Skype se puede decir buenos días, cerrar la cámara, etcétera. C'est quand même des détails, tout ça. Estos son detalles. De même l'argent, on est habitué à ce qu'on vous paye de la main à la main. Lo mismo con el dinero. Tenemos la costumbre de que nos paguen de la mano a la mano. Simple habitude. No es más que una costumbre. Quand la monnaie qui circule sera supprimée, ce qui ne manquera pas d'arriver dans un cuando temps la moneda que circula va a desaparecer, lo que seguramente va a ocurrir, il faudra bien qu'on soit payé autrement sur les comptes. Va a ser necesario que nos paguen de otra manera. Donc voilà, on s'ajustera. Entonces uno se acomodará. Oui. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur la communauté analytique concernant ces questions. Je n'y ai pas. Yo no tengo ningún comentario que hacer sobre la comunidad analítica con relación a esta cuestión. Je n'y ai pas perçu cette grande bagarre en deux bords dont nous parle Pedro. Yo no he percibido esa disputa entre dos grupos de las cuales ha hablado Pedro. Comme quoi chacun peut-être ne voit que ce qu'il veut voir. Lo que sí. Vemos es que cada uno no ve sino aquello que él quiere ver. Bon. Donc sur ce point, par contre, que les analystes aient changé d'opinion, comme vous dites. Por el contrario, el hecho de que los analistas cambien de opinión, como usted lo dice. Alors ça, oui, je le constate tous les jours. Esto yo es cierto, yo lo constato todos los días. Que la cohérence n'est pas le propre de la doxa analytique. Que la coherencia no es lo propio de la doxa analítica. Mais c'est pour tous, donc. Quand esto es para todos. Bien plus. Alors, sur la question du virtuel, je ne répondrai pas, Rité, parce que le virtuel, c'est une chose difficile à définir. Sobre lo virtual, yo no le voy a responder a Rité, porque lo virtual es algo muy difícil de definir. Je ne suis pas rentrée dans le détail. Je ne crois pas qu'on pourrait dire que les deux corps sont virtuels, par contre. Yo no. Dans l'idée. Entra en el detalle, pero yo no podría afirmar que los dos cuerpos son virtuales. Mais enfin, c'est une discussion à mener. Pero esta es una discusión que hay que llevar, pues. Bueno, vamos a tomar las tres últimas preguntas, insisto en la brevedad, y ya con esto cerraríamos el espacio. Vamos a probar la tua dernière question, y ya insisto, pues, qu'il soit court. Beatriz Zuluaga. Sí, buenas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Colette, por su intervención, como siempre. Te apagó el video, Beatriz. ¿Lo puedes prender? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Colette por su intervención. Colette, yo no quisiera ahondar en lo que dice Pedro Pablo, porque me parece que no, que más allá de que estemos unos de acuerdo o no de acuerdo, a mí me parece... Y me parece Pedro Pablo, porque el efecto que quelque sans soit d'accord ou pas. Me parece que esta emergencia sanitaria realmente ha develado dos cosas. Je crois que cette émergence sanitaire a dévoilé deux choses. Sí, una, que esto ha posibilitado escuchar a los pacientes de diferentes maneras. Yo hago excepción. Que ça a permis d'écouter les patients de manière différente. Yo hago la excepción del teléfono también porque pienso que siempre fue un recurso. J'ai fait l'exception du téléphone parce que j'ai pensé toujours que c'était un recours. Pero me parece que esto ha develado algo que no tenemos por qué tener temor de decirlo. Yo creo que mais ça a dévoilé quelque chose et on ne doit pas avoir peur de le dire. Ha habido una gran desorientación, pienso yo, en la manera como hemos concebido el cuerpo, la presencia, el objeto, la voz, porque hasta hace seis meses justamente podíamos defender con conceptos teóricos la
imprescindibilidad, la, cómo es, cómo era necesario estar. No, Beatriz. Sí. Bueno, ¿vas a traducir? Pero vuelve a empezar la última parte porque no, fuiste muy largo. Lo que quiero, en lo que quiero hacer énfasis es que ya, esto ha de sé que yo remarqué, sé que se ha producido una gran, lo que no hay que temor a decirlo, una gran desorientación en la mayoría de los analistas que... Sé que ha producido un mal de orientación en los analistas que defendíamos o hemos defendido y mientras no haya una experiencia, digamos, suficiente para muchos de nosotros, habrá que seguirlo defendiendo. Luis. Parce que los analistas han defendido quelque chose auquel on était habitué, sí, y que on doit continuer à défendre. Porque pienso, Colette, pienso que esto va más allá de cambiar una opinión. Me parece que... Es que yo creo que eso va más loin de cambiar de opinión. Claro, yo pienso que podemos cambiar de opinión, pero creo que se juega toda una práctica y una manera de concebir la clínica. Je crois qu'on peut changer d'opinion, mais on joue quelque chose d'important dans la manière de concevoir la clinique, la pratique. Sí, y me pregunto esto todos los días, porque ahí me incluyo. Y je me pose cette question tous les jours. Si el tiempo de esta experiencia para mí es suficiente para decir que la práctica es o no viable de ese modo. Pero esto me pone la cuestión si le tan de esta experiencia me permite decir si ese tipo de práctica es posible o no. Pero bueno, usted hoy nos trajo muchos elementos a pensar y a repensar. Hoy día vos habéis aportado pas mal de elementos para pensar y reflexionar sobre eso. Yo no estoy seguro de haber captado en este largo desarrollo. Yo estoy seguro de haber captado en este largo desarrollo completamente. Je ne suis pas sûr d'avoir capté ce qui se disait avant et qui se serait trouvé renversé par la nouvelle expérience du téléphone. No estoy seguro de haber captado eso que se decía antes y aquello que ha cambiado por la nueva experiencia del teléfono. Antes había una exigencia para los analizantes, para los carteles del pase, para todos nosotros, para muchos. Avant, il y avait une exigence pour les analysants, pour les carteles de la paz. Teníamos que desplazarnos al consultorio del analista, teníamos que viajar a otros lugares, los mensajes solo si había un hecho que implicara un recurso al teléfono, pero... Que exige un déplacement pour aller chez l'analyste, etc. Oui, la pratique a dû changer, c'est évident. C'est évident que la pratique a dû changer. Quelle est la chose qu'il faudrait, dites-vous, regarder en face, sans peur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut mirar al frente, sin temor? Mais est-ce que... No, yo pienso que no es solamente eso, no es solamente, creo que sí hay que mirar de frente, hay una pantalla entre el analizante y su analista. Yo recuerdo un... Il faut regarder en face, il y a un écran entre le patient et l'analyste. Que usted hizo en una universidad de Buenos Aires. Yo me acuerdo de quelque chose que vous avez dit dans une université à Buenos Aires. Una conferencia que usted hizo sobre el psicoanálisis heredero de los derechos humanos, me parece... De la psicoanálisis heredera de los derechos humanos. Más contundentes, y ahí usted indicaba cómo los lazos, las conexiones virtuales no establecían lazo alguno. Y là, ce que vous avez posé, c'est que les connexions virtuelles
ne produisait pas un lien. Pero Colette, yo no tengo problema en empezar a repensar todo esto, porque para mí... J'ai pas de problème pour commencer à réfléchir à... Para muchos implica revoir tout ça. Y repensar conceptos psicoanalíticos. Es, era eso, no hay... Qu'un problème à penser de nouveau ça et les concepts analytiques. Daphne. Sí. Buenas tardes y muchas gracias, Colette. Mi pregunta es muy, muy corta. Escuchando tu exposición, yo estaba recordando o pensando en el muy famoso frase de Freud en de César Aparicio. No, Daphne Tamarín. Oui. Yo estaba pensando en el famoso frase de Freud en Dynamics, la dinámica de la transferencia en Papers. Yo estaba en train de pasar en la frase très connue de Freud en la dinámica de transfer. Oui. Que no se puede hacer nada, no se puede destruir en effigie, en ausencia. Où il dit qu'on ne peut pas détruire en effigie, en ausencia. En ausencia, sí. De tu exposición. Ok. Mónica Palacio. Buenas tardes, Colette. Muchísimas gracias por su trabajo. Yo quería que usted nos diga un poquito más de esta expresión que me llamó mucho la atención. Bonsoir, Colette. Je veux que vous parlez un peu plus sur cette expression qui a attiré mon attention. Psicoanalista es un esfuerzo más para hacer del campo lacaniano. Psicoanalista, encore un effort. Un effort pour le champ lacanial. C'est la phrase de Sade. Sí. Me llama mucho la atención y creo que estos debates y estos encuentros permiten precisamente poner al cielo abierto cosas. Attirez-moi l'attention y ce débat, ce type de choses permettent de mettre à ciel ouvert lo que estamos debatiendo hoy. Entonces quisiera si nos puede decir cuál es ese esfuerzo de más para estar en el campo lacaniano. Ce qu'on discute aujourd'hui, et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, quel est l'effort qu'il doit se faire pour rester dans les champs lacaniens. Oui. Eh bien, en premier lieu, ne pas confondre le corps de l'intuition avec le corps lieu de l'autre. Ça, c'est le premier. En premier lugar, no confundir el cuerpo de l'intuition con el cuerpo lugar del otro. Et. C'est bien de travailler le thème justement pour que se mettre à l'heure de ce que Lacan a dit il y a déjà longtemps. Es muy importante trabajar esto para estar al tanto de lo que Lacan dijo hace ya mucho tiempo. On peut critiquer Lacan, on peut ne pas retenir telle ou telle chose, mais encore faut-il d'abord avoir saisi ce qu'il dit. Se puede criticar a Lacan. Se puede no retomar ciertas cosas, pero ante todo es importante comprender eso que él dice. Puisque, au fond, le signifiant champ lacanien, puesto que en el fondo el significante campo lacaniano c'est le signifiant de notre orientation. Es el significante de nuestra orientación. Elle vient de Lacan a partir des années 70. Él es producido por Lacan a partir de los años 70. Mais évidemment, ça suppose que ce soit déplié. Pero esto supone que él se ha desplegado. Que le mot champ lacanien soit déplié, puisque lui-même a dit qu'il n'aurait pas le temps de construire ce que nouveau este significante se ha desplegado porque él dijo que él no tendría el tiempo de construirlo. Et je suis sûre d'une chose personnellement. Y personalmente yo estoy segura de una cosa. C'est que ce n'est pas en mettant le corps de l'intuition au centre des débats qu'on avance. Sí, una cosa es que no es colocando el cuerpo de la intuición en el centro del debate
et que donc il faut vraiment prendre la mesure de ce que c'est un corps lieu de l'autre. Y que entonces eso impone dar cuenta de lo que es el cuerpo en el lugar del otro. Alors, sur la question, je vais terminer là-dessus, finalement. Yo voy a terminar sobre la siguiente cuestión. La citation de Freud est très bienvenue. La citation de Freud es muy bienvenida. Elle apporte de l'eau à mon moulin. Él trae agua a nuestros molinos. Rien ne peut être atteint dans l'analyse en effigie. Ça veut nada, dire... nada se puede lograr el análisis en efigie. Oui, ça veut dire en absence. Quiero decir en ausencia. Oui, mais pas des corps. Pas en l'absence des corps. En l'absence de quoi? En l'absence de la parole. Colette, s'il te plaît, il s'est coupé. Ta voix s'est coupée et j'ai perdu la dernière chose que tu as dit. Alors, je recommence. Donc, on ne peut rien obtenir, comment est la phrase ? On ne peut rien obtenir effigie. Sans la présence, en effigie. Mais je dis présence de quoi ? De lo que me pregunto es presencia de qué ? Pas du corps en 3D. No, es el cuerpo en 3D. Présence de la libido qui passe par l'association libre du patient. Presencia de la libido que pasa por la asociación libre del paciente. Je vous rappelle que Freud a utilisé cette même idée dans son débat. Yo le recuerdo que Freud ha utilizado esta misma idea dans son débat avec Ferenczi. En su debate con Ferenczi. Non, dans son débat avec Ferenczi. En su debate con Ferenczi. Oui. Vous savez que Ferenczi lui reprochait à Freud de ne pas avoir analysé son transfert négatif. Ustedes saben que Ferenczi le reprochaba a Freud no haber analizado su transferencia negativa. Et Freud lui a répondu sur ce même thème. On ne peut pas analyser. Freud le respondió sobre este mismo tema. On ne peut pas analyser ce qui n'est pas là dans l'actuel de la parole analysante. No se puede interpretar eso que está aquí en lo actual de la palabra del analizante. Rien à voir avec le corps de l'intuition. Esto no tiene nada que ver con el cuerpo de la intuición. Voilà. Bueno, es esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Colette, por su gracias, Colette. Por el tiempo que dedicó a las preguntas. Por le tiempo que tía a mí por la cuestión. Y seguramente la próxima vez sea en presencia porque nos gusta más. Y sûrement la próxima fois, ça sera pas en absence, sí. Ça sera avec ta présence, parce que on aime beaucoup plus ça. Oui. Vous pouvez vérifier ce que je disais. Ustedes pueden verificar eso que yo digo. On préfère la présence, mais elle n'est pas absolument indispensable pour l'échange. Ustedes prefieren la presencia, pero ya no es absolutamente necesaria para los intercambios. Puisque nous échangeons aujourd'hui. Puesto que nosotros estamos intercambiando hoy. Y muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Ha sido importante, digamos así, que hayan venido a acompañarnos en esta celebración de... Merci à l'assistance par sa présence pour nous avoir accompagné dans cet anniversaire. Y bien, hasta la próxima a todos. Bon, jusqu'à la prochaine à tous. Ah. Quoi? Merci à Luis Fernando pour l'effort de traduction, alors qu'on oublie qu'il est là. Gracias a Luis Fernando. Gracias a Luis Fernando por su esfuerzo de traducción y a veces se pasa bien. Mm-hmm. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego. Au revoir, Colette. Merci. Hein.
Adiós.